Comment tu fais sans fille? Tu pars depuis 2 ans et la fille! Calme-toi, ma chère, assieds-toi, réfléchis, médite. Ta nature t'apportera conseil. Comme la mer envahit sa terre sous la lune pleine. Oui. Bon. Eureka! Eureka quoi? Ah ça, j'espère que tu es prêt. Ça va être un entraînement d'enfer. Enfin, en enfer, ça serait pire, j'imagine. Oui, sans doute. Après la mort, la souffrance, question existentielle. La tranchée. Oui. Bon. Oui, j'ai trouvé l'entraînement parfaitement adéquat. Avant d'apprendre à devenir un dieu, tu dois apprendre à devenir un humain. Alors tu me diras, facile, car je le suis par définition. Mais as-tu seulement ouvert un dictionnaire? Il faut faire fructifier ton corps et ton esprit. C'est pourquoi nous sommes ici. D'accord, mais tu dois faire quoi? T'améliorer, oui, j'imagine. Connais les nuits. Nous sommes dans une forêt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Communie avec la nature, communique avec elle, et déjà, tu connaîtras ton ennemi. Le dieu de la nature! Viens, bravo, tu apprends vite, viens devant! Et puis nous rentrerons, et tu étudieras. Je dormirai, tu étudieras encore, je roupirai, et quand tu auras fini ton étude, tu attendras que je me réveille. Et là, à ce moment, sans doute, auras-tu saisi toute la dangerosité de cette aventure qui s'annonce. Mais il est où l'entraînement là-dedans?
lecture, assez de lecture, du blabla, point trop d'en faux. Il manque des... Oui, il vous manque quelques heures de sommeil, mais je les ai récupérées pour toi, tout va bien. Et il manque aussi quelques centimètres, bon, avec là, on les prend, on les perd... Non, il manque des... Oui, bien vu, il manque des bûches, on va se faire un beau feu de bois. Mais vous avez même pas de chemise... Stop! Arrêtons de discuter. Bon, à l'entraînement, très bon choix. Tu deviens bon, mon garçon. Ah! Hé, gamin, tu vas où, là? Tu m'avais pas dit que tu ferais une pause. Tu vas me laisser là, tout seul, entouré d'oiseaux voraces et de créatures vicieuses? Bon, les ours doivent hiberner à cette époque. Et puis, c'est trop chaud pour les loups, mais... Il doit y avoir des écureuils. Saleté d'écureuil! Je pars. Oula, tu pars! Ça, j'ai bien vu! C'est une envie pressante. Ouais. L'ami, stop! Tu ne passeras pas! Des problèmes? Des tracas? Des soucis? Que des solutions? Des broutilles peut-être? J'ai juste une envie pressante de retourner à la vraie vie. J'en peux plus de ça, ça rime à quoi? Je trime, tu dors? C'est exactement comme les cours. C'est même pire parce que... tu fais rien et... Moi, j'arrête pas de bosser. Qu'est-ce que je fais, là? J'apprends quoi? J'ai des pouvoirs, oui ou merde? Putain, tu m'apprends juste à être un petit serviteur, un petit charlingals. Je veux retourner à mes occupations. Oui, je comprends. Mais montre-moi que tu es prêt. Montre-moi que tu n'es pas le perdant que tu as toujours cru être. Montre-moi que les films, les BD, les jeux vidéo, ce n'est pas qu'une lubie. Montre-moi que tu es un héros! Égoïste! Je suis pas... égoïste. Je suis pas égoïste. C'est bon, j'ai compris. Je suis prêt. Tu es prêt? Ah, le bonheur! Fallait le dire! Passons à la seconde phase de l'entraînement! C'est le pub! Eh, hey, Roger! Un muscadet! C'est la pub. Oh, merde! Laissez-moi deviner. Vous avez envie de courir, hein? Oui, vous avez envie de courir, mais vous n'avez pas le temps. Et entre le travail, la vie de famille, le hockey sur gazon, le dimanche après-midi, avec Michel, vous ne le trouvez pas. Vous savez de quoi je parle. Cet accord tacite qui vous lie à tous vos concitoyens, celui-là même qui vous maintient dans votre train-train quotidien. Cette vie où vous êtes le débiteur du système qui déblatère sur votre compétitivité toujours insuffisante. Est-ce à dire que votre vie a un coût? Que le miracle de votre naissance n'était en fait qu'un crédit à long terme? Serions-nous alors retournés à une survie primale, ou oppressés par une primauté nappée de subterfuges et d'illusions, nous nous complaisons à plaire plutôt qu'à déranger? Martin ne vous a toujours pas rendu votre friteuse. Vous voudriez parlementer, mais votre surmoi sait que ça va déraper. Et votre moi alors? Où est-il? Prenez le temps d'y penser, en courant. Et même si parfois, vous devez garder les pieds sur terre face aux dures réalités de la vie. Il n'appartient qu'à vous de remonter en semelle. Pour la modique somme de 999 triards, 999 trions, 999 billards, 999 euros. Tu es prêt? Ah, le bonheur! Fallait le dire! Passons à la seconde phase de l'entraînement! La seconde phase? Oui, la seconde phase! Elle consiste en la découverte de tes pouvoirs! Mais pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Vous attendez quoi? Que tu me dises que tu es prêt? Bien! Tu es installé? Bien! Nous allons commencer. Excuse-moi, je suis un peu stressé, mais la première étape est la suivante. Tu as bien vu, dans la réalité, dans les manuscrits, les dieux ont parfois des vêtements particuliers. Ouais,
aussi un nom ridicule. Allô, allô, silence, s'il vous plaît. Bon, ils sont indispensables. C'est en quelque sorte des artefacts. Ils sont composés d'énergie, de magie. Ils décuplent tes pouvoirs, non seulement, mais ils t'aident aussi à les canaliser. Tu devrais ressembler à peu près à Solstice. Voilà, voilà. Approximativement. Je dirais que c'est la base. Vois-tu, ce costume s'accorde parfaitement à tes pouvoirs spécifiques. En plus de te donner des pouvoirs communs à tous les dieux, tels qu'une force exacerbée ou des sens accrus. Ok. Donc, c'est une constante chez vous d'oublier de dire les choses importantes qui auraient évité de faire un putain d'entraînement inutile! Chut! Insolent! Je demande si tu as compris. Tu dois apprendre à devenir un humain avant d'être Dieu. Solstice connaissait la souffrance, qui n'est qu'humaine. Solstice a subi de nombreux sévices. Solstice était un dieu! Solstice était un demi-dieu! Et c'est bien cette duplicité qui a fait de Solstice le plus juste, le plus puissant de toutes les divinités que ce monde et les autres mondes aient porté. Je m'excuse. Allez-y, continuez, je vous en prie. Bien, vous voulez faire une pause peut-être? Ces étoiles, elles sont la majeure partie de ton pouvoir. Tu dois te ménager. Un pouvoir n'est jamais, ce serait si beau, illimité. Plus ton costume est empli d'étoiles, plus tes pouvoirs sont grands. C'est un peu comme ton carburant. Je suis une foutue pile. Vite, vite. Tu le perds. Tu le perds. Ah, ça y est. Comme une sorte de panneau solaire. Oh non, non. Vite, vite. Parle-lui. Oui, oui. Ça, ça lui plaira. Tropius, Pokémon palmier de type plante vol. Enfin, je crois. Il aime? Je ne comprends pas. Il aime ou il aime pas? Dis quelque chose, Gamma. Je peux faire quoi? Je peux me téléporter, me transformer en n'importe quoi? M'enflammer? Tu seras une véritable torche humaine! Ah, je suis génial, la torche humaine! Bon, c'est pas du tout ça, mais au moins il est motivé maintenant. Allez, c'est parti. Très drôle, gamin. Bien, gamin. Maintenant, faut que ça devienne aussi naturel que de respirer. Hein? Ça me rappelle l'entraînement d'Hercule avec ce cher Philoctète.
Vous matez des dessins animés? Quoi? Ils ont fait un dessin animé? Enfin, il était un peu plus doué. Ça oui, c'est sûr. Je suis prêt. Ah ah, désolé mon ami. Cette fois, cette phrase ne suffira pas à te faire passer à l'étape suivante. Allez, balance, je te dis que je suis prêt. D'accord, d'accord, mais d'abord, tu devras me plaquer au sol. Mais je n'utiliserai pas mes pouvoirs. Ce serait injuste. Les dépipés, les billets contrefaits, quel malheur. Ok. Hop, t'as presque fait. Oh, tu t'es bien amélioré, gamin. Oh, ça fait bien longtemps qu'on m'a pas mis de coup. Je te prends au sérieux, Joe. Attention à 6 heures. Oui, parfait, parfait. Maintenant, je peux l'appeler Solstice. Merci. Ah, finalement, oui. Il n'a pas été si long que ça. On a réussi, Solstice. Mais déjà trop long. Trop longtemps sans se faire attaquer. Il y a baleine sous gravillon. Oh. Allez, allez, va. Trouve le banche, ton cher Dieu. Ok, pas touche à la famille. Regardez ce que j'ai fait pousser pour vous.